Question santé, cette semaine, on vous donne tous les trucs pour améliorer vos nuits de sommeil parce que bien dormir, ça s'apprend réellement. On va en parler en détail avec Audrey Saint-Onge, doctorante en psychologie. Et bien sûr, notre corps étant bien complexe, l'alimentation et également l'activité physique influencent la qualité de notre sommeil. Véronique Ouellette Saint-Denis et Stéphane Ouimet vont nous aider à y voir un peu plus clair. Et connaissez-vous des gens dans votre entourage qui souffrent de la maladie de Parkinson? Comment cette maladie influence la vie de tous les jours? Comment on adapte notre vie à la maladie de Parkinson? Ginette Loriot va nous raconter son expérience, puisqu'elle vit elle-même avec le Parkinson depuis 9 ans. Tous les jours, on dort, mais malheureusement, on ne dort pas à tous les jours comme un bébé. Ce serait fantastique si c'était le cas. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont des nuits de sommeil plus difficiles que d'autres. Mais Audrey, on peut reprendre le contrôle sur notre sommeil. Oui, effectivement, des fois, ce n'est pas juste une nuit de sommeil qui est moins bonne. Chez certaines personnes, c'est des difficultés qui reviennent et qui reviennent. Mais bonne nouvelle, il y a plusieurs trucs qu'on peut, des, des bonnes habitudes de vie qu'on peut adopter pour améliorer son sommeil. Un, un truc optimal, ce serait certainement d'avoir une routine. Hein? Ah, oui, ah oui, si on ne peut pas y échapper, le corps aime la routine. Donc, on a des cycles biologiques comme le cycle circadien qui s'occupe du sommeil et ce cycle-là fonctionne à la routine. Donc, pour nous aider à avoir une routine, le corps va faire des associations avec nos habitudes de vie. Par exemple, pour l'appétit, si vous êtes une personne qui a l'habitude de manger à midi, mais À tous les jours, votre corps va vous envoyer des signaux de faim à midi. Si vous ne pouvez pas manger à midi, vous allez avoir faim euh, beaucoup, rendu à midi et demi. Même chose pour le sommeil. Si euh, vous avez l'habitude de vous coucher tous les jours à 11 heures dans votre lit, bien, votre corps va associer l'heure, donc 11 heures, l'endroit, le lit, avec dormir. Donc, à tous les jours à cette heure-là, il va vous envoyer des hormones, comme la mélatonine, ce qui va vous amener à vous sentir fatigué pour faire un bon dos. Donc, il y a réellement une association « lit-sommeil mm ». -hmm. Mais donc, ceux qui ont de la difficulté à s'endormir, par exemple, ils ont peut-être perdu l'association. Exactement. Donc, cette association-là peut être fragile euh, quand on a des moins bonnes habitudes. Donc, par exemple, si euh, je me couche une nuit, mais que j'ai beaucoup de choses en tête, puis je commence à penser. Puis là, ça me prend une heure, deux heures que je me tourne à gauche, à droite. mais je viens comme créer une nouvelle association. Donc, c'est plus « lit-dormir », c'est « lit-je pense ». Euh, donc, à ce moment-là, cette difficulté-là peut se répéter de jour en jour et euh, favoriser des problèmes d'insomnie. Oui, de jour en jour, quand ça prend une heure, deux heures sans dormir, mon Dieu, c'est aride. Mmh. On veut s'en sortir et on peut s'en sortir. Justement, comment on fait pour retrouver l'association lit égale dodo? Tu as ah. des trucs. Oui, la clé, c'est euh, d'agir sur nos habitudes de vie. Donc, premièrement, un truc essentiel peut être de se coucher et de se lever aux mêmes heures, à tous les jours, et tu me vois venir même la fin de semaine. Ça va être difficile, on n'est pas toujours bon pour ça, mais c'est important de ne pas faire de sieste euh, l'après-midi parce que ça vient altérer notre sommeil le soir. Mais ça, ça veut dire quoi? Pas de sieste. Ça veut dire même une sieste de 20 minutes. Là, toi, on tu évite. suggères pas ça? On évite le plus possible de faire des siestes, surtout que ça peut être dangereux quand on tombe endormi plus longtemps. Donc, pas se coucher du tout, résister à cette envie-là. Okay. Euh, si euh, vous n'êtes pas fatigué, allez pas vous coucher. Attendez que le sommeil vienne à vous. On ne peut pas forcer le sommeil. Donc, c'est vraiment d'attendre de se sentir endormi avant d'aller au lit. Si vous allez au lit puis vous n'êtes pas capable de dormir, après 15 minutes, on suggère de se lever pour pas renforcer l'association de quand je suis dans mon lit, je pense. Mais là, on fait quoi? On se lève puis euh, on peut aller faire la vaisselle? On peut, comme... euh, <laughs> idéalement, ce qu'on conseille, c'est d'aller dans une autre pièce, de s'asseoir et de faire une activité calme. Ça peut être de lire un livre, par exemple. Et d'attendre que le sommeil revienne avant de se recoucher. Donc, on ne lit pas le livre dans notre lit en espérant non. de s'endormir? Non, encore une fois, on ne veut pas que dans notre lit, on fasse des activités. Pis ça, ça peut être bon aussi toute la journée. Donc, on ne veut pas manger dans notre lit, on ne veut pas regarder la télévision dans notre lit ou faire quelques activités autres que dormir. OK. Moi, je, je suis prête là, à d'autres trucs. Là. Okay. Euh, aussi, ce qu'on conseille, c'est de ne pas regarder l'heure. Quand, euh, pendant la nuit, parce que ça peut amener des pensées anxiogènes comme « Oh mon Dieu, il me reste juste deux heures, puis euh, ça, ça ne favorise pas le sommeil. » Aussi, les écrans cellulaires, les ordinateurs, la télévision, on veut éviter ça le plus possible, au moins 30 minutes avant de se coucher. Et optimalement, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à une heure? Oui. Ah ouais, hein. oui, absolument. Deux heures, oui? Euh, une heure, c'est pas mal la norme, mais euh, certaines personnes, 30 minutes, c'est suffisant, essayez-le, vous pouvez vous euh, vous connaître aussi mmh. aussi si vous êtes des personnes qui avaient tendance à penser beaucoup pendant euh, pendant la nuit ben un truc c'est de prendre un bout de papier avant de se coucher puis d'écrire tout ce qui vous vient par la tête toutes les préoccupations parce que des fois on se dit oh mon dieu faut pas que j'oublie telle chose faut pas que j'oublie telle chose ben, en l'écrivant puis en gardant la liste à côté de votre lit c'est comme de le déposer puis de dire ben j'ai plus besoin d'y penser ça c'est le genre d'activité à laquelle on a droit dans notre lit donc de Laissez nos pensées de côté. Oui, exactement. Okay. C'est la seule autre que dormir qu'on qu peut avoir. Quoi d'autre on, on devrait faire, donc? Euh, aussi, avoir une routine de dodo. Donc, euh, tous les soirs, là, si vous avez euh, des, des activités que vous faites tout le temps, comme par exemple, à 10h30, je m'en vais prendre un bain ou ma douche. Après ça, euh, je me brosse les dents, euh, je prépare mon lunch, des choses comme ça. D'avoir toujours la même séquence, ça va favoriser... Euh, qu la, que, que le cerveau va apprendre que quand ces activités-là se, se font, bien, je m'en vais dormir après. Donc, ça va être plus facile d'avoir un sommeil euh, par la suite. C'est important aussi d'avoir un environnement confortable, j'imagine. Oui, effectivement. Des fois, les gens viennent nous voir euh, avec des problèmes de sommeil. C'est toujours la première question qu'on demande. Est-ce que le matelas est confortable? Est-ce que l'environnement est calme et sans bruit? L'éclairage, est-ce qui est favorable? Euh, la température, est-ce qu'elle est bonne? Donc, vraiment, d'avoir toutes les conditions physiques là, nécessaires à un bon sommeil. Merci beaucoup, Audrey Saint-Onge. Alors, c'est possible de tout mettre en place pour reprendre le contrôle sur notre sommeil. Et voyons voir s'il y a quelque chose à faire également avec l'activité physique avec Stéphane Ouimet. C'est bien connu que l'activité physique aide à améliorer nos nuits de sommeil, mais Stéphane Ouimet, pourquoi? En fait, il y a plusieurs différentes raisons pourquoi l'activité physique, mais la première et la plus importante, c'est en fait une façon de régulariser ce qu'on appelle le rythme circardien. Donc, on se lève le matin, le corps s'éveille, puis au courant de la journée, il va passer à travers de différents processus physiologiques pour le soir revenir vers un éveil. Fait que ce rythme-là prend 24 heures et plus on est en forme, plus ces systèmes-là vont mieux fonctionner pour nous permettre de mieux dormir. Maintenant, à court terme, on sait aussi que lorsqu'on fait de l'exercice, on sécrète nos fameuses endorphines. Qui dit endorphine dit anxiolytique, donc une meilleure gestion du stress, moins stressé, je dors mieux. Mais aussi, encore une fois, à cause des endorphines, il y a un processus physiologique qui s'installe, qui nous aide à mieux dormir, qui nous fatigue un petit peu plus. On sait aussi que, à court terme, la dépense énergétique devient très importante pour nous, pour nous permettre justement de mieux dormir. Et finalement, ben Lorsque le corps est plus en forme, il s'oxygène mieux et ça se passe aussi durant la nuit et donc ça améliore la qualité du sommeil qui est plus importante que la quantité de sommeil. Alors là, il y a plein d'interactions avec notre corps quand on fait de l'activité physique. Tu nous parles d'endorphine, tu nous parles de capacité à diminuer le stress. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait faire de l'activité physique davantage le soir pour optimiser tous les processus dans notre corps? Bien, en fait c'est une question d'intensité et de durée. Ce qu'il faut bien comprendre en fait c'est que le corps va pas sécréter seulement des endorphines mais va aussi sécréter euh, premièrement augmenter sa température corporelle Puis ça c'est le contraire de ce qu'on veut faire dans notre rythme pour euh, s'amener vers un sommeil. La deuxième chose c'est que le corps va aussi sécréter de la cortisol. La cortisol et la mélatonine ne font pas bon ménage. Ah donc, non quand... hein? Non. <laughs> en fait mélatonine c'est cette fameuse hormone là qui me permet de au, permet au corps de s'endormir donc la cortisol va venir euh, influencer ça. Puis si trop élevée, on parle aussi d'adrénaline et d'éphédrine. Puis ça, ça va faire en sorte que le corps va être super stimulé, lui rendant ça un petit peu plus difficile de tomber endormi. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne devrait pas faire d'activité physique le soir? bah on peut faire d'activité physique le soir, mais le temps de la journée à laquelle on va le faire est très, très important. Prenons par exemple le fait qu'on sait que la, la mélatonine dans le, dans le rythme circadien, lui, va se passer, se passer aux alentours de 9 h. Donc, si la mélatonine est sécrétée vers 9 h, évidemment, lorsque la cortisol est sécrétée trop proche de ce 9 h-là, mais ça va venir inhiber le travail de la mélatonine. Donc, on veut faire des activités. Ça peut avoir un effet positif, mais on essaie de s'éloigner. De cette période de temps-là, puis le corps a le temps de s'activer et ensuite de relaxer pour lui permettre de mieux dormir. S'éloigner, ça veut-tu dire qu'on doit attendre euh, trois heures entre le moment où on arrête de faire l'activité physique et le 9 heures en question, ou on peut être un peu plus flexible que ça? c'est encore une fois en lien avec l'intensité de notre activité physique. Donc, plus l'activité physique elle, est intense, plus il y a une grande sécrétion d'endorphines ou d'adrénaline et d'éphédrine et de cortisol. Donc, le corps perçoit l'activité physique comme un stress, plutôt comme une détente. Donc, si l'intensité est très élevée ou si la durée elle, est très longue, il faut s'éloigner de cette période de temps-là. Mais, actuellement si l'intensité est un petit peu plus basse, Bien, on peut avoir différents avantages de faire de l'activité physique. On essaie de s'éloigner, d'être trop proche de ce fameux 9 heures-là là, notre, dans notre cycle circardien. OK, fait que ça voudrait dire qu'une marche, vu que c'est de faible intensité... Ben, on pourrait la faire à 8 h 30, 8 h. Ben, en fait, c'est une question de pour et de contre. Parce qu'on sait que d'aller prendre une marche pour une personne qui est très stressée ou très anxieuse, ça avoir des effets très positifs, se changer les idées, lui permettre de relaxer un tout petit peu. Et ça, ça devient un effet positif de l'activité physique pour me permettre de me détendre avant de dormir. Mais lorsqu'on parle d'entraînement, d'activité physique de plus haute intensité, là, c'est un petit peu différent personnellement, je suggère toujours aux gens d'aller prendre une marche s'ils mmh. ont de la difficulté à dormir. Juste de changer les idées, qui est souvent la cause pourquoi on n'est pas capable de dormir, ou mmh. une des causes. Mais là, ça va avoir un effet très, très positif. Ah, puis ça fait tellement de bien de prendre une marche dehors, que ce soit l'hiver, l'été. Je pense qu'il y a toujours un bon moment pour prendre une marche. Mais sinon, là, si on fait des activités physiques un peu plus intenses, c'est mieux de les faire dans la journée, le matin ou peut-être l'après-midi? En fait, il y a une période, souvent les gens me demandent la meilleure période pour faire l'activité physique, puis je leur explique qu'il y a une différence en <coughs> ce qui est physiologiquement, ce qui est mieux puis ce qui est de façon réelle qui est mieux d'un point de vue physiologique on, on prône faire des activités physiques en après-midi c'est là que le corps le système cardiovasculaire est le plus efficace meilleure gestion de la tension artérielle meilleure gestion de la glycémie c'est là où ce qu'on a une meilleure coordination puis c'est aussi le temps où ce que le corps est beaucoup plus fort d'un point de vue musculaire donc cette période là sauf que c'est loin de la réalité par exemple parce que comme parent moi je travaille cet après-midi là donc à moins que tu gagnes ta vie à faire de l'exercice hein, des fois ça tombe bien mais sinon ben le meilleur temps en fait c'est celui qui est le propice à nous donc il faut vraiment établir qu'est-ce qui est le meilleur temps pour moi de le faire. Les gens aiment ça, faire l'exercice le matin, c'est le fun, ça réveille. Mais en même temps, il faut trouver le temps de la journée qui concorde bien avec notre vie familiale, avec notre vie des choses qu'on veut faire d'un point de vue social, mais aussi qu'est-ce qui est réaliste pour nous, puis qu'est-ce qui nous tente vraiment de faire. Ah, ben oui, aussi. Il hein, faut être connecté à l'activité physique qu'on fait. Stéphane Ouimet, tu termines toujours ta chronique avec une prescription. D'activité physique, qu'est-ce que c'est cette semaine? Bien, cette semaine, en fait, c'est que j'aimerais ça qu'on puisse euh, faire des exercices qu'on appelle par intervalle. Donc, lorsque vous allez prendre une marche, un intervalle, c'est une pointe d'intensité un petit peu plus élevée. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet, cette pointe d'intensité-là? Sécréter des endorphines, avoir des effets positifs sur cette belle gestion-là de notre stress, de notre anxiété, nous aider à dormir. Donc, intensité 30 secondes, on marche pendant une minute, on augmente pendant 30 secondes, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça a juste besoin d'être différent. Puis on peut faire ça pas juste avec la marche, on pourrait décider de, de, de courir, puis des fois on peut faire ça de, de, de plus grande intensité. Ou simplement de donner plus d'efforts ou plus d'énergie lorsqu'on fait nos activités, mais de le faire de façon entrelacée. Ça vient chercher toutes sortes de différents paramètres, puis ça c'est intéressant. Merci beaucoup Stéphane Wimet. Voyons voir maintenant si l'alimentation peut jouer un rôle sur notre sommeil. Quels sont les aliments à éviter? Quels sont les aliments à privilégier? Véronique Wallet saint denis nous Zéclair. Avant de vous coucher, qu'est-ce que vous diriez d'un verre de lait chaud Moi, je dirais pas non parce que peut-être que ça favorise l'endormissement. Mais Véronique, qu'est-ce que la science dit à ce sujet en fait Ben en fait, malheureusement, c'est un mythe. Donc euh, boire un verre de lait chaud avant d'aller se coucher, ça il n'y a aucune étude qui prouve dans le fond que ça pourrait aider à s'endormir plus vite ou à mieux dormir après. Mais d'où vient le mythe alors oui, ce mythe-là vient du fait que le lait, comme les autres produits laitiers, ça contient du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé, donc c'est ce qui compose les, les protéines. Euh, puis le cerveau est capable de transformer le tryptophane en sérotonine, qui est un neurotransmetteur, ou en mélatonine, qui est une hormone. Et ces deux molécules-là, la sérotonine et la mélatonine, ça va favoriser l'endormissement. C'est vrai que le tryptophane pris en supplément, ça peut être utilisé dans le traitement de l'insomnie, mais c'est pas clair dans quelle mesure les aliments riches en tryptophane comme les produits laitiers pourraient avoir le même effet. Mais bon, si pour quelqu'un boire un verre de lait chaud avant d'aller se coucher, ça l'aide à se détendre, pourquoi pas Ça devrait pas nuire en tout cas. Moi, je vais en prendre un peut-être quand même parce que je trouve ça réconfortant, mais je me ferai pas trop d'idées. Donc, ça nuit pas, mais est-ce qu'il y a des aliments par contre là qui nuisent vraiment à notre sommeil Oui, il y a certains aliments euh, qu'on peut peut-être porter une attention particulière dans les heures avant d'aller se coucher. Euh, par exemple, on a les aliments qui contiennent de la caféine, qui est un stimulant. Donc, euh, au lieu de favoriser l'endormissement, ça va venir stimuler le corps. On peut penser par exemple au café, au thé, aux boissons énergisantes ou au chocolat. Le chocolat, il hein? ne faut pas l'oublier parce que le café, évidemment, là, on est comme conscient de ça, mais le chocolat... Ça contient de la caféine, puis le chocolat, ça fait souvent partie des collations de fin de soirée, donc euh, gâteaux, brownies, euh, crème glacée au chocolat ou ca... juste des carrés de chocolat comme ça. Il euh, faut vraiment évaluer sa tolérance personnelle. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la caféine. Pour vous donner une idée, une tasse de café, euh, dépendant de la façon dont il est préparé ça peut contenir entre 100 et 180 mg de caféine, puis un petit carré de chocolat noir comme ça. Le chocolat noir a tendance à contenir plus de caféine que le chocolat au lait. Ça, c'est à peu près 8 à 10 mg de caféine. Donc, si on en mange 4-5 avant d'aller se coucher, on est peut-être autour d'un 40 mg. Donc, si on est sensible, ça peut venir affecter l'endormissement. On peut aller donc jusqu'à la moitié d'un café là, en teneur en caféine. Si on mange 4-5 morceaux de chocolat, c'est comme si on mangeait, on buvait en fait un, un demi-café. Demi café. Moi, je sais en fait que je suis très, très sensible mmh. au chocolat le soir. Puis même avec ces morceaux-là, on se dit, ah, ben c'est bien, c'est 70 cacao, mais on a l'effet revers qui est la caféine. C'est ça, exactement. Il y a aussi euh, les aliments très gras. Euh, riche. Ça, ça peut, ça va venir comme activer le système digestif. C'est long à digérer. Puis il y a même certaines personnes plus sensibles, ça peut provoquer des brûlements ou des reflux. Donc, c'est peut-être pas l'idéal avant d'aller se coucher. Des fois, on peut penser à la fameuse poutine <laughs> en fin de soirée. Euh, et finalement, il y a l'alcool. L'alcool, ça peut aider à s'endormir. Par contre, ça va venir affecter la qualité du sommeil. Donc, ça va faire un sommeil beaucoup plus léger, moins réparateur. Euh, on peut avoir aussi des éveils pendant la nuit ou très tôt le matin. Donc, ça peut expliquer pourquoi si on boit un peu d'alcool avant de se coucher, même si on se couche à la même heure que d'habitude, le lendemain matin, on peut être un petit peu plus fatigué. Avant de se coucher, si on mange, là, comme les Français, un bon repas, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Mais en fait, un repas complet très copieux, ça peut nuire un peu parce que justement ça va activer beaucoup le système digestif. Par contre, si on a un petit creux en soirée parce que le souper commence à être loin, euh, Puis qu'on veut manger quelque chose, il n'y a pas de problème, une petite collation légère, même ça peut aider à s'endormir parce que ça va venir calmer la faim. Mmh. C'est assez désagréable d'essayer de s'endormir quand on a des gargouillements dans l'estomac. Oui, on essaie d'éviter. Oui, c'est ça. Mais bon, on va essayer de choisir une collation légère, pas trop grasse, sans caféine, sans alcool. Par exemple, ça pourrait être un yogourt avec des granolas et des petits fruits. Ça pourrait être un bol de céréales. Hein, c'est très populaire comme collation ou en soirée. Ça peut être un petit bol de maïs soufflé. Ça pourrait être une rôtie avec du beurre d'arachide. Mais là, moi, je veux revenir au maïs oui. soufflé. Explique-nous, c'est pas n'importe quel. Bien, lui, en ce moment, il est nature, mais on peut juste l'aromatiser avec un petit peu de beurre. Mais tu sais, pas euh, trop, parce que justement, là, ça va être gras ça va être plus long à digérer. C'est ça, pas le commercial. Non, on le fait soi-même, on fait éclater le maïs nous-mêmes, puis Exactement. on met un petit assaisonnement. Okay. C'est ça, pour l'aromatiser. Ça peut être aussi simplement des fruits, donc du, du raisin, des petits fruits, ou qu'est-ce que vous avez le goût de manger. Donc, une petite collation comme ça, ça va calmer la faim, puis ça ne vous empêchera pas là, de bien dormir. En terminant, Véronique pour euh, les derniers trucs, là, côté alimentation pour notre sommeil. Oui, ben tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire attention juste avant d'aller se coucher, mais c'est bon de savoir qu'avoir une alimentation équilibrée, variée, sur une base quotidienne, ça peut nous aider à avoir un sommeil de meilleure qualité en général. Merci beaucoup Véronique. Je crois qu'on a couvert l'essentiel des trucs à mettre en pratique pour optimiser notre sommeil parce que le sommeil, c'est tellement important. Je vous souhaite de pouvoir les mettre en pratique. Ça demande une certaine discipline, mais c'est possible. Puis quelqu'un en fait qui peut souffrir là, un petit peu de sommeil, Véronique, c'est les gens qui souffrent de maladies de Parkinson. On va voir justement comment son sommeil est affecté à Ginette Loriot qui va venir nous parler de son quotidien avec la maladie de Parkinson. Merci à notre partenaire. Question Santé est réalisée dans une maison modèle de construction, la Vérendry. La maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie la plus fréquente après l'Alzheimer. Quand on parle de maladies neurodégénératives, alors c'est une maladie qui s'attaque directement aux cellules du cerveau. C'est une maladie qui les fait mourir. Et le symptôme le plus commun de la maladie de Parkinson, évidemment, c'est le tremblement. Mais il y a plusieurs autres symptômes. Et on va en parler avec quelqu'un qui vit avec la maladie depuis plus de huit ans. Madame Ginette Lorieux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes mieux placée que moi, évidemment, pour nous en parler. Comment ça affecte votre vie de tous les jours? En fait, quels sont les symptômes que vous vivez au quotidien? Bien, les symptômes que j'ai sont euh, le tremblement, comme vous avez dit, c'est un des, des plus importants symptômes, et aussi la perte de l'odorat. Euh... Ça, on n'y croirait pas, mais ça affecte donc votre nez, pourquoi? C'est dans les premières cellules qui disparaissent. Et moi, j'ai perdu mon odorat euh, il y a à peu près 20 ans. Mais je ne savais pas que ça avait un rapport avec le Parkinson. C'est juste plus tard que je l'ai appris. Mais euh, les gens qui, qui ont perdu leur euh, odorat, ça peut arriver 5 ou 10 ans avant même qu'on sache qu'ils ont le, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson affecte certainement votre sommeil. On a beaucoup parlé du sommeil dans l'émission. Et vous, comment ça l'affecte, votre sommeil? Moi, comment ça l'affecte, ça dépend. Ça dépend de la quantité de médicaments que je prends. Ou la fatigue, tout simplement, je, je tombe endormie, je me réveille au bout d'une heure, il est peut-être euh, 10 heures, 11 heures, 11 heures, disons, et euh, je peux plus me rendormir. Puis, je passe la nuit à essayer de dormir, mais ça ne fonctionne pas. Puis, tout à coup, vers 5 heures du matin, là, je peux retomber à dormir. Mais entre mes et 5 heures, c'est long. Oh, mon Dieu! <laughs> c'est long, ça! <laughs> Puis, euh, quel est l'impact de votre maladie euh, sur votre entourage? Vous avez un mari, vous? Oui, oui, oui. Un très bon mari, d'ailleurs, qui prend très bien soin de moi. Mais j'ai beaucoup d'amis aussi. Euh, J'ai des enfants. Alors, euh, je continue à vivre euh, comme avant parce que je ne suis pas si affectée que ça par tous les symptômes et ils sont bien contrôlés avec les médicaments que je prends. Mmh. Mmh. Et justement, à quelle fréquence vous prenez des médicaments? Aux 5 heures. Aux cinq heures, Au okay. heures. C'est combien de pilules à la fois que vous prenez? Euh, deux, deux, oui, okay. oui, oui. C'est pas si pire que ça. Il y a des gens avec certaines maladies là, ils vont prendre un cocktail de médicaments mm -hmm. le matin, le midi, le soir. Ça peut aller jusqu'à 10 pilules à la fois, mais là vous c'est quand même deux. C'est oui, deux euh, lévo... F... euh, pro lévocarbe, excusez-moi, okay. pro lévocarbe, amantadine et euh, azilect. Ce sont trois médicaments qui aident et au tremblement et à garder les, euh, les, les neurones. Mmh. Parce que c'est les neurones. Neurotra euh, euh, les neurotransmetteurs? Oui, mais de dopamine. Ceux qui transportent la dopamine mmh. qui fait en sorte que euh, on, les, les, si les neurones meurent, bien. Oui, dans le fond, part, il y a, euh, il y a, la dopamine euh, n'est plus là pour créer la connexion entre les exactement. différentes neurones. Donc là, euh, votre corps tremble, mais également ça amène de la rigidité. Oui. Et ça, comment ça affecte là, la vie de tous les jours? Est-ce que vous arrivez l'hiver, par exemple, à, à marcher dehors? Est-ce que vous êtes un peu plus craintive? Ah, je suis toujours plus craintive, mais pas seulement à cause du Parkinson, à cause de l'âge, hum. parce que c'est parfois difficile de distinguer. Est-ce que je fais ça maintenant parce que j'ai... Je suis plus âgée ou bien parce que j'ai le Parkinson. Parkinson, ce qui est dangereux, c'est de tomber dans les marches. Ah, OK. Oui, Pourquoi? dans les escaliers, parce qu'on perd l'équilibre ou des jeunes, des fois, on tombe, mais pas en arrière. Mm. Alors, euh, c'est difficile pour ces gens-là de, de garder leur équilibre. Très, très difficile. Moi, je n'ai pas encore trop de problèmes. J'en ai toujours un petit peu sur la glace, là. Mais, euh, Sinon, ça va. Je peux monter et descendre des escaliers, mais un jour, je ne pourrai plus mm -hmm. le faire. Parce que la maladie de Parkinson évolue à travers le temps. Il y a des gens pour qui ça peut évoluer très très rapidement. Pour vous, ça n'a pas évolué si rapidement que ça. Mm -hmm. Vous menez quand même une qualité de vie assez normale oui. encore. Mais ça, c'est dû à, à quelques bonnes habitudes que vous avez chaque jour, hein. Vous faites de l'activité physique, là, vous? Oui, oui j'en fais. Justement, j'en ai, ai déjà fait avec Stéphane. Euh, j'en fais beaucoup à la maison. J'ai moins le goût de sortir pour aller dans les gymnases, alors je le fais à la maison. Mm. Il, y moyen, il y a des moyens, il y a des CD, là, d'exercice. Puis je, je fais de l'exercice à tous les jours, mais je reste très active. Mm. Et euh, j'ai beaucoup d'amis, alors j'ai une vie sociale euh, très, très occupée. Et puis, ça aide, ça, à garder le moral. Parce que moi, je me dis, bon, bien, j'ai le Parkinson, oui, mais je suis encore... Euh, j'ai encore envie, là. Je peux pas... Puis la vie est tellement courte, on va pas la perdre à, à se lamenter. Hmm. Alors... Euh... Oui, parce qu'en fait, le Parkinson amène pas une mort prématurée, nécessairement. Pas nécessairement. Euh, on va mourir de plusieurs autres choses avant de mourir du Parkinson, qu'on est tellement raide qu'on qu ne peut plus euh, respirer. Là. Parce oui. que ça, ça raidit les organes. Évidemment, ça raidit euh, les les articulations. Bras, les articulations. Oui. Mais là, il faut comprendre qu'à l'intérieur de notre corps aussi, tout se raidit. mais j'imagine, oui. Dans oui. la gorge aussi. La gorge, oui. Il y a des gens qui sont plus capables de manger. Euh, la voix peut changer, euh, les... ça, ça réduit les cordes vocales. Alors, euh... mais comme tu disais, euh, c'est une maladie qui progresse et on ne peut on peut difficilement ralentir la progression. Et il n'y a surtout pas de médicaments qui peuvent te guérir. Alors euh, la guérison, ça, euh, c'est pas encore euh, sur le marché. <laughs> Comprend. Et votre entourage, comment il vit avec ça Vous me parliez de votre mari, mais vos enfants, vos petits-enfants, comment ils vivent avec leurs proches J'ai remonté, maladie? moi, plutôt. Alors, mes petits-enfants euh, sont trop jeunes pour s'en apercevoir. OK. Sauf que mon petit garçon, le euh, petit de trois ans, l'autre jour, il me regarde puis il dit, Grand-maman tout va dégonfler parce que j'avais perdu du poids. Alors, ça, c'est aussi. Il y a des gens qui perdent du poids, puis il y en a d'autres qui, qui en prennent. Merci beaucoup, Mme Loriot, pour vos petites précisions au sujet de la maladie de Parkinson. Peut-être qu'on aura une personne devant nous la prochaine fois et on saura un peu mieux euh, la comprendre. Moi, je vous invite à un autre rendez-vous de Questions Santé la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne santé! et c'est bas la télé qui nous rassemble